Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Batman Arkham Knight sur PC. La dernière fois, on s'est arrêté ici, en plein milieu. Et on va tout de suite continuer. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Question. Comment j'ouvre la porte? D'accord, c'est là-bas. Allez, j'espère que vous êtes prêts. Peut-être on va savoir qui il est. Qui ou elle. A mon avis c'est un mec mais bon. Monsieur, le radar thermique ne détecte qu'un corps, celui du conducteur. Aucun signe de Mademoiselle Gordon. Il sait où elle est, Alfred. Il ne doit pas bouger. Allez. Repousse-le. Voilà. Il en a bousillé une autre. On a suivi la tire dorée. Bon sang, envoyez des enfants. Oh non, jetez le garçon, tu peux lui. Transport blindé HS, je répète, transport blindé HS. À toutes les unités de soutien, repli immédiat. Le conducteur n'est pas le chevalier d'Arkham, mais il saura où je peux le trouver. Ok, le téléport. Où est le chevalier d'Arkham? Tu ne trouveras pas! Tu crois que je ne savais pas que tu essayais de trouver la source de mes transmissions? Retire le son, Batman! Je sais comment tu penses! Ce qui veut dire que je sais comment te battre! Où est-il? Avec Barbara Gordon! Elle est à nous maintenant! Tu imagines ce que le chevalier va lui faire vivre? Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Non, fais pas ça! Où est-il? Il est allé voir le petit gros, le pingouin. C'est lui qui fournit les planques pour l'attaque. Le chevalier est allé le payer pour ses services. C'est tout. C'est tout ce que je sais. Arrêtez! Pitié! Arrêtez! Tu te souviens d'autre chose? Il utilise une société de réfrigération comme couverture. Les camions distribuent des armes dans toute la ville. Le nom de la société? North! North Refrigeration! Merci. Ok. Alfred, j'ai besoin de tout ce que vous pourrez trouver sur North Refrigeration. Très bien. Puis-je vous demander pourquoi? C'est le pingouin qui fournit le chevalier d'Arkham. Et pour l'heure, il est ma meilleure piste pour trouver Barbara. Je regarde tout de suite, monsieur. Ah, je vois que monsieur Fox essaie de vous contacter. Lucius? Monsieur Wayne, votre nouvelle amélioration pour la Batmobile est fin prête. La Batwing est en route vers Grand Avenue. Ok. Monsieur. Alors, le pingouin. C'est quoi ça? Au loin, un vagabond. Alors. Donc, bah, le pingouin. Cobblepot. Vous pouvez lire si vous voulez. Firefly. J'ai découvert que le chevalier d'Arkham utilisait un programme pour émettre à partir de votre gantelet. Rassurez-vous, toutes nos communications sont bien cryptées. Dois-je le bloquer pour éviter toute intrusion future? Gardez le canal ouvert, Alfred. Plus il parle, plus j'en ai l'impression. Très bien, monsieur. Chef, nous pour
chassons un avion qui fonce vers Grande Avenue. Ce truc vient de virer à 180 degrés avec une pointe à 12G. Je connais personne capable de faire ça. Moi si. Je vais montrer ce que c'est que partir en guerre. Comme vous l'avez demandé, on dirait que Maître Grayson enquête sur le sujet depuis un moment déjà. Bien. Dites-lui de m'envoyer ce qu'il a. Il insiste pour vous voir en personne, monsieur. Il est parti de Bloodhaven avec les informations requises. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Merci, Alfred. En attendant, monsieur, si l'on en croit les analyses, le chevalier d'Arkham a posté ses lieutenants dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ces véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir pour l'éliminer de l'échiquier. Oh, Nightwing. Dick Grayson. Nice. Ouais. Ça, je le ferai en vidéo. Voyons ce qu'a Nightwing sur North Refrigeration. Si tu trouves le pingouin, je trouverai le chevalier d'Arkham. Tout à fait, monsieur. Maître Grayson vous attend en haut du bâtiment qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Voilà. Alors, encore en train de rôder sur les toits? Tu n'aurais pas dû venir. Pas ce soir. Tu plaisantes ou quoi? Quand j'ai su pour Barbara... North Refrigeration. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'il stocke les armes ici à Gotham, mais la question est où? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Hein. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui a noté leur trajet. Tu pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan? Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce. Laisse-moi t'aider. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. À bientôt, Bruce. Ok. Je peux désactiver leurs armes. C'est la fonction sabotage du brouilleur. Je n'ai droit qu'à 3 tirs. Je dois bien choisir mes cibles. La caisse est électrifiée. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. Respectez les règles. L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Forme tous une grande et belle famille. Ça y est, j'ai saboté l'équipement. Je n'ai plus qu'à me présenter. J'allais te le dire. C'est parti. On bosse tous pour détarrer. Ok. Let's go. Batman.
Voilà, la brute est morte. Voilà. Donc ça, c'était la planque d'armes, c'est bien ça. Voyons. Un camion rempli d'armes et d'explosifs. Je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Bien. Je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Qu'est-ce que t'as oublié ? Non, c'est Batman ! Dégage vite de là ! La subtilité marche à tous les coups. En restant sur les toits, je pourrais les suivre jusqu'au dépôt d'armes caché du pingouin. Le marquage du véhicule reste effectif, et ce, même à travers les bâtiments. Mais il faut que je garde la cible en vue et à portée. Mais qu'est-ce que tu fais ? T'essayes de nous tuer ? C'est Batman ! Il faut qu'on se tire d'ici ! Où est-ce qu'on va ? On rentre à la planque ! Non mais ça va pas ! Ça me mènera tout droit à Cobblepot ! Alors je fais quoi ? Contente-toi de rouler ! On réussira peut-être à le semer ! Ou pas. Est-ce que tu le vois ? Je conduis là ! Ok, je le vois pas. Tu crois qu'on l'a semé ? Mais qu'est-ce que j'en sais ? Continue à regarder. Il faut qu'on en soit sûr avant de rentrer. C'était un épouvantail de s'occuper de cette foutue chauve-souris. On l'a semé. Tant mieux. On retourne à la planque avant qu'il ne retourne. Oh les salagues. Batman, tu parles complètement surfait. C'est ce qu'il croit. Allez. Conduisez-moi jusqu'au pingouin. Les textures qui ne chargent pas, le jeu qui n'est pas fini. Mais c'est pas grave. Personne vous a suivi. Batman a essayé, mais on lui a fait peur. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu ! Par ici ! Parlez. Et il n'aime pas tant, non ? Ok. Tous armés, bien sûr. Ok. Ces pauvres crétins l'ont conduit jusqu'ici. Voilà. Lol. C'est trop tard. Passez pour tes nerfs. Trouvez-le. Ah bah alors là t'es complètement en as toi. Hein. Ah c'était fort ça. Le toit était lourdement gardé. Il s'agit sûrement du point d'entrée. Oh là là, n'importe quoi. Allez, bye bye la tourelle.
quel... Tu sens. Vas-y, sens. C'est quoi, Batman? Bon, mon gars. Batman, ne t'en fais pas, Batman. Son espèce va bientôt s'éteindre. Ouais, on l'a semé. C'est terminable. C'est carrément... Je vous l'avais bien dit. Il n'a même pas pu vous rattraper dans ce camion ridicule. On le surestime. Écoutez, j'ai quelque chose à plaisir à compter. Comme vous le savez, et ça me fout le cœur. Ça fait 35. On s'est associé aux autres Barjo pour tuer la chauve-souris tous ensemble. Ah, j'adore ça sent bon. Ça va être génial. Il ne sait même pas que tu es là. Vas-y. Oui, mais ça c'est bon. Regardez ça. Des jolis petits bifetons. Et ils sont tous à... Vas-y, mec, t'as... Le chevalier d'Arkham, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle la captive, la petite fille chérie des commissaires. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils allaient voir un vieux crouton, Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Je te préviens, ne me mens pas. Non, je te jure, on dit qu'il va quitter Gotham. C'est dirigeable au-dessus de la West River, il sent à lui. Relâche-le! On va tirer, Batman! Ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Tenez-le bien, les gars. J'ai bien bossé mon crochet. Admirez ça. Je vais lui démonter la tête d'un seul... Nightwing. C'est comme ça que tu gères la situation? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. Je vais te... Allez. Voilà. Et voilà. Aucune de ces armes ne doit arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Bruce, tu dois me laisser t'aider. J'avais les choses en main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche des indices ici qui pourraient nous permettre de localiser d'autres camions réfrigérés du pingouin. Espèce de minard. Le moment est venu de lui régler son compte. Alors. Gel explosif, c'est ça. Non, mais franchement, je parle même pas du monocle. Il croit sûrement que ça lui donne l'air plus menaçant. Il faut que je ferme la chambre forte pour contenir l'explosion. Ça va pas bien dans ta petite tête, Batou, si tu appuies sur la gâchette. Tu nous descends tous les deux. Allez. Qu'est-ce que tu fais, Batou? S'il te plaît, m'enferme pas là-dedans. Je ferai ce que tu voudras. T'as besoin de faire une lessive, je m'en occupe. Si je vais dans le train, pas de problème. Je dois être à une bonne distance avant que ça l'explose. Et voilà. Donc il y en a encore 1, 2, 3, 4 à faire, d'accord. C'est en quête annexe, donc bon. As-tu découvert quelque chose? Je vais chercher Barbara. Je te contacterai dès que j'aurai repéré un des camions du pingouin. Merci, Dick. J'apprécie ton aide.
Sera ça, les amis, Bruce. Donc également hors vidéo ça. Alors, comment je suis censé faire ? Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique ? Bien, monsieur. Alors, voyons un peu comment ça se présente. Dis donc, c'est une bonne vieille embuscade ? Attends ici, bateau. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ces imbéciles. Je vais y arriver. Même si ça fait longtemps, je suis peut-être un peu rouillé. Prépare-toi à admirer mes techniques de Joker. Ça va être formidable. Ils vont même pas me voir venir. Je vais... Enfin... Voilà. Qu'est-ce qu'il va être vraiment faire quelque chose ? Cible aperçue, sortons par le toit. Tenez vos positions. Je dois me mettre à couvert avant de piloter la Batmobile à distance. Donnez l'ordre et on la battra. Top, vous activez les tourelles. 3, 2, il est parti. Tirez. Feu à volonté, allez. Il faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Est-ce qu'on l'a eu? Je sais pas, je crois que oui. Va vérifier, trouve le corps. Non, vas-y toi. T'as dit que tu l'avais touché. Non, je me suis trompé. C'est toi qui l'as eu. T'es un sniper et moi... Bon. Voilà. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg ? Voyons. PDG de Stagg Enterprise. Une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Je suis en route pour les dirigeables de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule piste qu'on ait pour retrouver Barbara. L'analyse des menaces indique que Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. La Batmobile sera détectée et prise pour cible dès que vous aurez franchi le pont. Ne vous en faites pas, Alfred. Je vais y aller à pied et rester sur les toits. Essayez de me trouver les plans de ces dirigeables. Tout de suite. Bonne chance, monsieur. Simon Stagg. Ok. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura monsieur, plu. Le dirigeable de Stagg a été attaché. On le ramène vers nous. Bien. Allez-y. Trouvez Stagg et interrogez-le. Lieutenant, on vous attribue une unité en plus pour la protection. Qui est-ce qu'on protège ? L'épouvantail. Le chef veut mon père fort. What ? C'était quoi ce bordel ? Ah, c'était pour J'adore ta nouvelle caisse. C'était pour quelle quête ça ? Créature de la nuit ? Ok. J'avais pas prévu ça. Pourquoi pas ? Comme si un clown maléfique t'avait soufflé des idées pendant que tu dessinais le modèle. Je vois... Ah, un cadavre. On va s'occuper de celui-là. Trouver une cinquième victime, Alfred. Je le craignais, monsieur. Occupons-nous lui. Il y a une irrégularité sur la poitrine de la victime. On dirait une tache de naissance bien distinctive. Alors, il y a quelque chose là, je l'ai vu. Il manque plusieurs orteils au pied gauche. La localisation de l'amputation indique l'ablation de tissus non viables dans le traitement d'engelure.
Une balle est logée profondément en haut du biceps. Ce type de munition est utilisé principalement avec un fusil de chasse qu'on ne produit plus depuis plus de 10 ans. Alfred, la victime s'appelait Robert Kincaid. Il travaillait chez Stagg Enterprises comme microbiologiste. Beaucoup pensaient qu'on voulait empêcher Kincaid de divulguer des recherches controversées, mais cela n'a jamais été prouvé. Il a ensuite enseigné à Atlanta. C'est là qu'il a été porté disparu. Est-ce que les circonstances de la disparition correspondent aux autres ? Absolument, monsieur. Par ailleurs, j'ai recoupé, comme vous l'aviez demandé, les informations des parcs et terrains de sport, et j'ai découvert des contrats de location qui semblent avoir été falsifiés. Quelqu'un essaie de couvrir ces traces. Trouvez tout ce que vous pouvez, Alfred. On n'a rien pu faire pour empêcher ces meurtres, mais on peut encore sauver des vies. Ok. Donc, maintenant... Maintenant, eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne. C'était Tuesday, prochain TV HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo!